Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve sur Spyro the Dragon dans Créateur d'animaux. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc si mes souvenirs sont bons, on devait prendre donc 300 joyaux ici, ainsi que 2 dragons. Donc on va voir comment ça va être. Donc là c'est le début pour commencer tranquillou, chercher un petit peu ce ces joyaux et autres. J'étais en train de regarder parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, mais non, en fait il n'y avait rien d'autre. Oui, ça je sais. Oh, voilà, je suis passé, toi je te crame. Donc on va s'approcher certainement de Nastignoc. Ah bon? J'ai déjà récupéré apparemment. Bruno! Nastignoc transforme notre marais en un dépotoir électrifié. C'était un endroit si magnifique. J'en doute pas. Wow, enfin, magnifique, on va dire ça comme ça, hein, parce que pour moi, il avait pas vraiment l'air magnifique d'être endroit. Alors là, par contre. Hop là. Comme ça, je ne me prends pas de dégâts par rapport à ça. Bon là, je me suis fail, mais c'est pas encore trop grave. Celtus. Spiro, je suis ravi de te voir, mais il faut que je parte. Ça a été rapide. Au moins, il fait comme les autres qui n'ont rien à dire. C'est rapide, efficace et pas cher. Avant d'aller là-dedans, je vais m'assurer. Oh putain! Ah, il m'a tendu un piège. Bien joué à lui. Ah, vol. C'est un vol sauvage que je ne ferai pas. Du moins, pour le moment, je me focaliserai pas tout de suite sur les vols. Parce que je pense même pas les faire, honnêtement, je vous l'avoue, parce que c'est assez particulier à faire les vols. Ah, il m'a eu. Là, j'ai intérêt à faire gaffe. Je tombe dans la flotte, je suis mort. Je me prends un coup, je suis mort. Ouais, bah, je suis mal barré, donc. Ah, là, je peux encore me prendre un seul coup. Pour être tranquille. Maintenant deux. Alors, grands arbres. Un niveau qu'on fera plus tard. Ouais, mais là ça me fait peur, ça, leur truc là. Je suis pas sûr que c'est sécurisé en fait. Il y a une clé à récupérer. Il y a même encore des autres niveaux, hein. On peut le voir ici. Ici, il vaut mieux pas y aller. Ok, il a pas eu le temps. Ah punaise, je me suis fait avoir. Bon. En dessous, il y a des coffres. J'espère me faire péter. Ok.
198 joyaux, il m'en reste 102 à avoir. 102 d'animation. Non, j'ai pas envie que tu utilises ta satanique connerie pour m'avoir. On va juste aller voir, par curiosité, si on peut déjà aller dans l'autre monde. Juste par curiosité. Oh, parce que sinon ça serait pas drôle si... S'il n'y a pas le challenge d'aller chercher un peu tous les joyaux dans les autres mondes. Juste à titre informatif. Alors, ici. J'ai de la peine pour tous ces dragons prisonniers de cristal. Lorsque tu auras sauvé 50 dragons, je me sentirai bien mieux. Et on en a 48. Vous voyez qu'il y a, il y a vraiment une grosse marge au niveau des dragons, quoi. Pour 50, c'est vraiment pas énorme d'avoir 50 dragons. Et vraiment pas. Mais bon, au moins ce sera fait. Non, je vois rien apparemment. Alors, je vais regarder encore un peu aux alentours parce que là je n'ai pas bien vérifié. Ok, bon. Ok. Peux-tu prendre la clé, s'il te plaît? Merci. Peux-tu me pourrir, s'il te plaît? Merci. Oh, punaise. Je me suis fait éclater, là. Pour le coup. En plus, j'ai plus la libellule. Donc, du coup, ça va m'embêter. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Obligé de foncer pour les avoir. Hop. Allez, hop là, on va aller dans celui-là. Tête de métal. Bon, oh oh. Ah bah ça a déjà bien commencé. Ça met tout de suite de l'ambiance. Waouh. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ces fumiers ne peuvent pas mourir. Ah oui, il faut leur foncer carrément dessus. Non, mais là, trop... Pff, oh, lol. Foutage de tronche. Toi, tu te calmes. Ah, vas-y. Oh, punaise. Eh ben, dis donc, ce niveau, il a l'air... un peu embêtant, hein. Là, j'avoue que je suis assez surpris. Donc il faudra leur foncer dessus carrément. Ok, bon. Tête de métal, un peu particulier comme il est quand même. À mon avis, c'est certainement pour les monstres, hein, qui disent tête de métal. Voilà, je me suis quand même fait. Casse les pieds. Voilà. Ça c'est fait. Ah là, je vous avoue qu'ils sont assez costauds.
Si ça se trouve, c'est déjà le truc du boss parce qu'il y a qu'un dragon. Ah, tant pis, hein, si on a fait le plus dur, bah on a fait le plus dur. Écoutez. Voilà, là j'étais sûr de me prendre un coup parce que c'est tout le temps comme ça. Toi tu meurs. Parce que là j'ai même pas le temps de prendre les patterns que je me fais pourrir. Oh non, je... Faut vraiment bien déclencher le trigger, quoi. Sinon, c'est ma cache. Tiens, vol, quoi. Va chercher le dernier papillon. Hein ? Ouais, j'allais dire. Va chercher le dernier papillon. Alors ici, Sadiki. Tu vas devoir affronter ce robot géant. Pour le neutraliser, détruis les pôles magnétiques pour couper son alimentation. Donc c'est le boss. Ok, bon, au moins ça veut dire que je ne pourrai pas aller dans l'autre monde tout de suite. Parce que je n'aurai pas encore tous les dragons. Donc, c'est pas plus mal. Ah, attendez, parce que je suis en train de chercher. Il n'y a pas un truc, je sais pas. J'étais en train de chercher, mais apparemment, non, c'est pas ici. Bon, on va aller voir l'autre avec son droit mécanique, là. Attendez, peut-être ici. Non, c'est pas ici. Ok. Ouais. On va aller voir de l'autre côté, tant pis, c'est pas grave. C'est quoi ce bordel? Wow. D'accord, en tout cas c'est pas ça. Ah! Rien. Oula. Ah, je peux pas aller rechercher de la vie. Merde. Et on peut retrouver de la vie. Juste comme ça. Je parie que c'est fermé de chez fermé. Non ? En fait, c'est fermé de chez fermé. Ok. Bon, bah on y va. Hein. On doit y aller de toute façon. Je voulais sauter, je me suis fait avoir. Génial. Oh, on va y aller. Oh mais... Oh, non mais c'est dégueulasse, juste au moment où j'arrive. Et voilà, et maintenant je me refais avoir par sa connerie magnétique là.
Allez. D'accord. Bah ouais, c'est plus rapide comme ça. Donc. Ah ouais, là j'avoue que c'est... Ouais. C'est plus simple, d'un coup. D'accord. Bon, on y va tout doucement, on va pas se... Oh, merde, on va pas s'embêter, bien sûr. Ah, d'accord. Il y a d'autres patterns de fumée. Oh là, ça va être chaud, je pense. D'accord. Ouais. Bon. Au moins, vous avez vu comment on doit le battre. Vaut mieux privilégier l'attente. Et là, je n'ai 500. On a récupéré. Plus de la moitié, mais bon, c'est pas full full hein. Tout la corde. D'accord. Génial. C'est où? Ah, déjà il y a quelque chose là. Je vais récupérer. Là, ok. Et je fais comment pour aller là-bas? Je crois que j'ai trouvé la solution. On suit. Et après on y va. Et bien sûr je n'ai pas la clé. Comment je peux faire pour avoir cette certaine clé? Bon, avant que je dois rebattre la tête de métal là. Parce que tête de métal j'ai pas envie de battre. Une deuxième fois. Déjà une fois c'était bien. Je sens moyen. J'ai vu quelque chose, ça m'interpelle, mais bon. Je sais pas si ce sera bien, donc je vais vérifier quand même aux alentours. Bon, apparemment, j'ai peut-être trouvé la faille. Ça doit être là-bas. Donc on va aller voir. Ouais, ok. Bon, bah c'était là-bas.
mais... Quand même. Ah bah, je vais pouvoir bientôt avoir en plus une vie parce que j'ai bientôt le cercle entier. Ok. Et la clé. Surtout, et la clé. Donc je vais pouvoir retourner de l'autre côté là. Donc là, ah non. J'ai bien fait de vérifier. Il y a encore quelque chose, j'allais partir sans et après j'allais te dire, ah bah punaise, où je dois aller chercher. Et là j'aurais dû me retaper ça. Ok, bon là, pour le coup, il n'y a plus rien, j'espère. Je suppose qu'après on va devoir aller sur les toits. Ça va être ça. Donc là, on monte. D'accord. Oh non. Juste au bord, un pixel près, je suis sûr. Bon, on va recommencer. Ah bah, c'est pas encore trop loin. Donc ça va le faire. Donc là, on touche à rien. Spyro va planer tout seul. Et pour la seconde fois, génial. Il y en a qui disent jamais 203, mais j'aimerais pas qu'il y ait une troisième. Et là, comme par hasard, je vais dans la flotte. Donc moi, je me suis attaqué au monstre tout de suite, au boss. Là, c'est bon. Et encore une vie. Ah bah j'aurais 10 vies, hein. J'aurais rattrapé à peu près le bon quota minimum de vie. Bon. Maintenant faut voir si la clé nous donne justement les derniers joyaux. Je le souhaite. Parce qu'il faut pas me dire que c'est ces bestioles qui nous donnaient les joyaux aussi, parce que sinon je suis pas dans le caca. Je pense que c'est ça. C'est bon. Le compte est bon. Donc on peut y aller, on peut quitter ce niveau. Alors, non, fallait pas que je monte, fallait que je descende. C'est pas grave, on va descendre. Donc je crois qu'on va se laisser sur ce petit niveau du boss là, tête de métal. On va se replacer tout près d'un niveau pour être chaud. À pouvoir continuer, hein. Donc tête de métal, c'est fait. J'ai évité d'aller par là. À moins que je me fasse électrocuter, c'est tout ce que je vais gagner. Non, va falloir que je réutilise le pont, etc. Je pense qu'on va faire le grand arbre. Donc là, on avait fait donc que deux niveaux. Donc voilà, les amis. On se retrouvera donc juste ici, devant grands arbres. Donc je vous dis à très bientôt et salut à tous les amis pour un prochain épisode de Spyro.